Je suis né un soir déchu en 1942. La Libye maternatale, je suis un homme de principe. Pour libérer mon pays d'un régime monarchique, j'ai pris le pouvoir à la suite d'un coup d'état politique. J'ai des projets énormes pour affranchir mon continent de la mainmise et des crimes de ce fauve qu'est l'Occident. Je refuse de me plier comme les autres dirigeants. Je veux concrétiser le rêve d'un Nkrumah et Tardion. Militer pour que l'Afrique acquiert son autonomie dans la communication, la politique, l'économie. Mais je sais bien que ce combat me coûtera la vie. Mes discours et mes idées multiplient mes ennemis. La France, l'Angleterre et les States en veulent à ma peau. Usent de violence et de ruse pour corrompre mes proches. Nous sommes le 20 octobre de l'année 2011. J'ai 69 ans, je meurs dans quelques secondes. Est-ce pas les âmes ou pas les larmes qui libéreront les Africains? C'est la fin qui justifie les moyens, comme le disait quelqu'un. C'est la même flamme qui brûle dans l'âme pour les combattants de la liberté. C'est la fin qui justifie les moyens, comme le disait quelqu'un. Le 18 juin 1918, je suis né. En 1944, je suis à la tête de l'ANC. Déterminé par mon combat sur l'apartheid. Le 100 août 1962, je suis arrêté. Ceci avec la complicité de la CIA. À Reuben Island, durant 27 années, je fus incarcéré. Le 11 février 1990, je suis libéré. Pour panser mes blessures, en 1993, je suis le prix Nobel de la paix. Un an plus tard, au scrutin présidentiel, le peuple me choisit pour diriger. Il m'a fallu juste un mandat pour semer la paix dans le cœur des hommes. Après mon départ du trône, j'ai continué à travailler pour laisser cet héritage qui est la paix à mes membres. Ce 5 décembre 2013, je m'en vais. J'espère que je laisse derrière moi un monde de paix. J'espère que je laisse derrière moi un monde de paix. Est-ce pas les armes ou pas les larmes que se libéreront les Africains? C'est la fin qui justifie les moyens, comme le disait quelqu'un. C'est la même flamme qui brûle dans l'âme de tous les combattants de la liberté. C'est la fin qui justifie les moyens, comme le disait quelqu'un. Le grand frère Mandela, bienvenue au pays des morts. Dis-moi comment va l'Afrique, dis-moi comment va le monde. Violence, désespoir, paupérisation. La Centrafrique et le Mali sont au bord de la dérision. Je crois qu'on est parti trop tôt pour réaliser nos ambitions. Moi, j'y étais presque s'il n'y avait pas eu d'oppression. Affaibli par la vieillesse et la maladie, j'ai assisté impuissant au drame de la Syrie. Je crois que t'as trop ouvert les bras à l'Occident. Et moi, que ton hégémonie a sali l'image du continent. J'ai mené une vie de pacificateur, tandis que toi t'as choisi le chemin du dictateur. Ma femme qui veut la paix prépare la guerre, dit-on souvent à mon grand. Par les concerts, mais jusqu'au temps pour contrecarrer leur plan. En parlant, quelle fut ta vision pour l'Afrique sur le plan économique et tes attentes politiques? Pour le contrôle de la com, j'ai mis sur pied un satellite. Financer plusieurs projets pour développer l'Afrique. Toute ma vie, j'ai prôné l'égalité des races. Mis un accent sur le sida. Bref, sur la santé. En tout cas, nous n'y sommes plus. On a fait ce qu'on a pu. On espère bien que nos enfants feront ce qu'on n'a pas pu. À tous ceux qui ont célébré ma mort, Obama et Sarkozy, je vous promets une femme fatale aux antipodes du paradis. Est-ce pas les armes ou pas les larmes que se libéreront les Africains? C'est la fin qui justifie les moyens, comme le disait quelqu'un. C'est la même flamme qui brûle dans l'âme de tous les combattants de la liberté. C'est la fin qui justifie les moyens, comme le disait quelqu'un. Est-ce pas les armes ou pas les larmes que se libéreront les Africains? C'est la fin qui justifie les moyens, comme le disait quelqu'un. C'est la même flamme qui brûle dans l'âme de tous les combattants de la liberté. C'est